une sortie de but pour le gardien SF Wynn. Il avait trop poussé son ballon, Saïdi, sur cette balle jouée en 1-2 avec Nate Seaman. Et à l'image, le meneur de jeu de cette équipe de la GS Savoie, Belgilavi. La balle en touche, commise par Dagoulou. Remise en jeu pour la GS Savoie. Avec le numéro 13, Bousmaha. Bousmaha qui remet sur son coéquipier. Le centre ange à chercher au point de pénalty. Aoudou encore une fois. Mais la balle, heureusement. Et il y avait l'axe central de cette défense du MC Oran qui a pu dégager. Et le Mouloudia d'Oran qui, lui, essaye d'aller de l'avant, mais il ne passera pas. Une défense compacte hein, de la GS Savoie en milieu de terrain. C'est perdu, récupéré en milieu de terrain par Dagoulou. Dagoulou, ça revient derrière, on écarte là-bas sur le côté pour le MC Oran. Avec Amran, Amran long ballon. Il s'est coupé par la défense, récupéré très rapidement encore une fois par les joueurs de la GS Savoie. Ces balles longues, ils sont bien placés. Hein. Ces joueurs et ces poulains de Halim Chich. Et on écarte sur Terbah. Terbah qui dribble, qui percute Belgilavi. Terbah, Terbah avec Belgilavi. Et ça fait le bonheur des supporters, Belgilavi. Le maestro de cette équipe, le centre, la tête en deux temps. Il avait voulu jouer cette balle avec Aoudou, que dit l'arbitre. Faute. Et c'est joué rapidement avec Nate Seaman. Nate Seaman qui a le ballon. Nate Seaman qui va se coincer là-bas et il obtient quand même la faute devant Belkhir. Belabès. Ça revient dans les pieds de Baladja avec Baniato. Baniato qui a essayé de remettre sur Baladja, ça passera. Ouais, ça passera pas. Et Bakayoko de la tête et Nesser. Loin, loin devant. Ça revient dans les pieds de la défense des Hamarawa. Dagoulou avec Nate Seaman. Nate Seaman Saïdi. Long ballon. Pour Bagnato, c'était Amran qui avait rejoué sur Saïdi et Benjilali dans le milieu de terrain. Benjilali qui garde le ballon. Benjilali qui va, qui est fauché par